Si la grue est équipée du système Paltronic, toutes les fonctions contrôlables sur l'écran Paltronic sont également disponibles sur le pupitre radio. L'agencement des touches varie en fonction du système radio existant, mais les fonctions marchent de la même manière sur toutes les installations. De nombreux modèles de la gamme Performance et High Performance sont équipés avec la fonctionnalité de rétro-signal. La touche Paltronic On-Off, la touche HPLS et la touche OLP sur l'émetteur radio possèdent la même fonction que sur l'écran du Paltronic. D'autre part, trois LED supplémentaires fournissent des indications sur certaines fonctions de la grue. La LED du système AOS est verte quand celui-ci est activé. Elle clignote quand le système est en fonctionnement. La LED pour l'utilisation du recyclage d'huile est allumée quand le système est activé. La LED pour le système de surveillance de la stabilisation est éteinte si la grue n'est pas stabilisée. Elle clignote quand la grue est partiellement stabilisée. Et elle est allumée quand la grue est complètement stabilisée. Sur la plupart des modèles de plus de 30 tonnes mètres, il est possible de désactiver l'utilisation du recyclage d'huile du système d'extension afin d'augmenter la force de poussée à vitesse réduite dans les positions fortement inclinées. En appuyant sur la touche correspondante, on peut désactiver et réactiver l'utilisation du recyclage d'huile.